Nous comptons rejoindre nous encore une fois et nous souhaitons bienvenue sur le canal Pola TV La Caille pour nous porter deuxième vidéo ça pour et pas oublier aujourd'hui c'est samedi 9 juillet 2022. Et c'est sixième sortie nous pour ce maintenant. N'a dit merci à toutes ces là qui toujours été connecté sur canal ça, qui toujours impatient. Et bien nous là n'a pas informé sur tout ça qui vient pour eux avec information que ce soit Haïti à Crèsmodelan, pas négliger connecté sur TV La Caille. C'est là où abjoindre information yo. Action ça a passé dans zone fond des nègres côté un individu qui lui-même et bien falsifié un fiche dépôt Unibank et bien pour lui remettre dans un dépôt fond des nègres pour une commande 30 caoutchouc et bien commerçant qui soumel qui senti monsieur gèle pas droit dans action yo et bien il entre dans business sous prétexte il va préparer caoutchouc pour yo et bien pour mafia qui vient acheter caoutchouc à fouchek Unibank là et bien commerçant lui-même qui pas fin quoi des fiches là il relé au kay pour confirmation Unibank confirme c'est un faux fiche et bien pendant voler au dehors commerçant râler téléphone ni lire le commissaire Muscadin et bien sortant de là commissaire Muscadin pointé et sortant de là nous pas même besoin fin d'où comment ça te nous pas faire un petit coup de vidéo comment commissaire obligé mettre negyo donc à te plate pour negyo pas souke sinon il ca pété fiel negyo action ça vraiment belle et pendant n'a regarder nous rit tout parce que nous senti Muscadin lui-même pas dans tête langue avec un malfoi. L'autre information nous portons pour en dans même vidéo ça mesdames et messieurs qui bourré avec en pile information et bien matin là et policier Delma 33 ont tenté dévier un kidnapping et bien nèg yo ouvert balle sous machine police là sortant des responsable backup là blessé dans main li pas grave yo bandi tombé yon M4 récupéré malheureusement yo allé ak moun lan nan yon lot machine et bien sortant de ya bandi sa ate a la ben ensemble monsieur tout rouge coupe nan tête li sou kon se coupe nan tête et donc ça nous pas même ka cité en tout cas la police a frappé fort et c'est dommage que yo allé avec moun nan men et donc nèg yo yo prend grain ça toujours nous dit bravo pour la popo continuer mettez dominant yeux vagabond parce que nèg ça au bail pays a trois problèmes nèg ça au fait et population crier trop nous battant bravo pour la popo qui au même fait gros coup ça on va l'inviter ouais restez connecté n'a tourne regardez là mesdames et messieurs et bien c'est tout ça que la police en pété fiel li là et une bandit t'a tenté kidnapper et bien moun là mais ça pas arrivé. Et donc pour monsieur échapper pour lui et l'autre qui est en aller avec mon nom selon ça et ben nous gétant dit et dans information nous baillo et ben tout ça là c'est comme ça monsieur a bien ensemble bravo la popo continue péter fiel vagabond nous pas inviter et bien ouais et deuxième vidéo qui pral montrer nous comment commissaire Muscadin pour l'op en bête sous tout ça et mettez nèg yo en bacode à tes plate en tout cas n'a pas bravo encore une fois et pour commissaire Muscadin qui n'est même pas décidé pour eh bien et zone et pourri en bas mais gang monsieur décidé faut qu'il mette l'ordre dans des zones vagabond. À 27 ans, si nous avons la cité Aristide, c'est parce que nous disons que quelque chose change dans ce pays. Correct. Parce que tu vois, donc c'est ça. Je vous fais un rappel, vous, tout papa. Non, pas vous rappel, moi, vous. J'aime des dents, ou t'es correct. Sénateur Edozeni, ça fait longtemps de ne pas parler. Et merci parce qu'on répond à l'invitation. Je vous dis à son jour très spécial. 7 juillet 2021, 7 juillet 2022. Logiquement, qui ça date ça veut dire pour aujourd'hui, comme ancien sénateur, ancien proche toujours Jovenel Moïse, lorsque on apprend monsieur était assassiné la Caline en conditions tragiques, yon l'année après,
toujours pas de justice. Qui ça date, ça veut dire pour le sénateur Edo Zeni? Bon, c'est dire au connaît même l'emballé et un peu le monde dit que moi trop pas faire politique parce que moi radical avec parole mais c'est ça lié ça m'a dit. Et lorsque le président mourit comme ça que ce soit président et ça c'est même le Aristide d'avoir en 2004 et oui de craper et les femmes de quitter par la balance d'accord. De craper et à bataille toujours pour Aristide d'aller. Parce que je toujours dit que de mon président aller, le pays a vint mal. Et, parce que pas aucun monde qui a une solution au problème de l'air. Et même toujours dit, et monopole corruption, mais vous pas qu'à vouloir que c'est monopole corruption, vous voulez gagner. Ça, vous pas qu'à formation ça. Mais même, ça dérange moi plus que le président Jovenel Moïse. Un, parce que son nègre, il était chef, il était même qui fait capable pour lui. Et il dit, il va nous faire comme dans le département sud-est. Et en plus de ça, ce son nègre, il est contre l'homme, il a quand même, même si normalement, dans l'entrée 2, il n'a pas répondu pour lui. Et, mais, ce son nègre, il est contre l'homme, il a quand même, par exemple, deuxième petit chemin, c'est remarqué, ils ont petit boule de tête. Mais c'est quand même pas remarqué. Ça veut dire que son monde qui peut manger là quand même, dormir là quand même, et fréquemment, de temps en temps, madame, nous, comme les Pécossais, nous disons, nous sommes en cafou, il y a vu la carrière de sa première dame. Donc, ça veut dire que nous avons une relation, avec monsieur. Ça dérange de ce que monsieur m'a dit de cette façon, mais maintenant, quand on parle de président de la République, ça n'a pas dérangé encore, ça a rongé comme, sous mon cœur, ça a dépassé, comme si nous l'avions. Limite que je pense que non démocratie, non pays, je pense que lorsque le président mourit comme ça, c'est nous tous net dans le pays, quel que soit le monde, qui a des problèmes, et c'est nous-mêmes qui aurons mal. Ça dérange moi, et jusqu'à présent, ouais, malgré que nous connaissons Michel Martelly, c'est un ami aussi de longue date, nous-mêmes, même depuis avant que nous étions en politique, dans la musique, depuis 19 ans, nous avons 19 ans depuis Michel Martelly. Je dis à mes 52, donc je vais un document de l'amitié avec lui. Donc, on prend l'autre position, lui-même, il prend position de silence, mais même pour une position contre lui, il dit non, le silence, c'est pas qu'à faire silence. De vous faire silence, on prend l'autre problème. Et ça fait, monsieur le président, de vous pas parler, aucun problème. Et ça fait, même à continuer à faire combat pour Jovenel Moïse. Et en face, n'importe qui monde, mais je n'ai rien contre Michel Martelly personnel, mais le combat que maintenant, soit peut-être chaque samedi de l'émission par moi, combat maintenant pour Jovenel, là, c'est pas pour Jovenel, c'est pour Haïti. Ouais. Parce que c'est le combat, je m'ai dit, c'est mal, je m'ai dit, l'aide, je m'ai dit, craser le pays d'Haïti pour au moins 20 ans. Parce que nous, il y a 20 ans là, qu'il y a répété jusqu'à ce que deux générations passées, qu'il y a peut-être oublié nous. Donc, même ça dérange mon pile comme citoyen, comme ancien sénateur, comme ancien magistrat, entrepreneur de mon état, ça dérange. Oui. Non, mais avant mal de l'autre bagarre, Gomba ou dit là qui attire attention, moi, comment interpréter le silence de Michel Martelly? Comme on est, comme si tu es présenté paysan, Jovenel Moïse, parce que nous pas de connaître, d'ailleurs, même moun qui autour de Michel Martelly, me songe, on est dans coup Gonzague D, lorsque le pote qu'on rentre, il pas de quoi ni moi, monsieur, qu'on a plein, que, yo même yo pas de connaître Jovenel, c'est n'en parler en l'air, puis on y croit, Martelly paraît qu'il dit, mais nèg qui prend le candidat. Donc, comment interpréter ce silence de silence de Michel Martelly? Comment interpréter ce silence? Alors, dame dit que Gonzague avait raison. Et parce que lorsque on fait politique, c'était plein de monde, beaucoup de Michel qui était président, et Michel choisit Jovenel pour les raisons que même le cas dit. Parce que moi, Jean-Charles, à l'époque, tu as parlé de couleurs, tu as parlé de Minao, tu as parlé de. Tu as frappé le gouvernement, il n'a pas voulu. Et nous, il est chargé de pouvoir. Donc, il a été servi, c'est comme si on a dit, ça, Jovenel, t'as mené, Jovenel, même, j'étais présent, et Jovenel, j'ai dit personnellement devant moi, c'est la candidat sur bouclier, comme président. C'est devant moi, j'ai dit, il n'a pas dit le DM, j'ai entendu ça avec, c'est pas genre, c'est ça, Jovenel, c'est vrai. Et bon,
Le silence de Michel Martin, c'est seulement lui, c'est lui-même seulement, il est capable de dire ça. Et je ne suis pas capable de dire pour Michel, parce que même mon parti qui m'a porté, ce n'est pas parce que spam, ce n'est pas ce que Michel Martin, c'est parce que tout simplement, il dit à Michel, et vraiment, les 6 ans de mandat que je dépose, je dépose Michel comme ami. Ce que même et toute la conscience me trouve, c'est tout à fait normal, même si je dénonce certaines choses et certaines dérives. Les hommes de l'ancienat, parce que je l'ai assumé tout toujours, je l'ai dénoncé, même de supporter Michel. Ah ben, nous portons pas cette Michel, yo. Mais maintenant, je suis capable de parler pour Michel Martin. Je ne pas capable de parler, c'est lui-même. Au contraire, je passe plus que une heure de temps et demie, il y a 2 semaines ou bien 1 mois, par la même, du président, et ou pas capable de faire silence. Nous, qui nous fait silence, on tue. Et, si vous allez bien, et, depuis ne pas parler, ouais, tout bagaille au contenu, et faut que Michel, pour moi, comme mon café politique, faut que Michel parle. Le silence de Michel Bordeli, c'est lui-même demain, qui est capable de dire, et pour qu'il fasse silence avec ses conseillers. On m'a tout profité de vous, que je n'ai jamais été un conseiller pour Michel Martelly. Michel Martelly n'a jamais servi avec moi comme le monde qui vous débat le conseil. Et m'a toujours dit, que m'a jamais fait politique vraiment, avec Michel. Quand on entraîne à parler à l'ambu ou lui, qui t'a, parce que je suis son ami, mais politiquement, j'en ai fait politique avec Yuri, c'est Adel Lambert, et quoi, mais même les deux génies, par contre, si, c'est parce que le temps, c'est une bague incapacité, ou bien pas qu'à avoir le conseil, par contre, mais pas à me servir avec moi comme monde qui peut avoir le conseil. On garde parti ça, sénateur et deux génies, yon l'année après, Jovenel Moïse assassiné. Est-ce qu'on même comme nèg k'ap fè politique depuis un bon bout de temps pour avoir été maire, donc ça a dit à plusieurs reprises, donc ou pas comme son novice dans politique là. Une seule fois maire. On va sortir gagner pour des grands deux mandats. Maintenant, ça veut dire ou pas un novice quand même, parce que ou t'es magistrat ou vin sénateur, qui donc ou gon idée, et puis moi je dis à tout, ou gen émission faire, ou analyse, est-ce que ou t'es gen pressentiment en action qu'on s'est capable de river Jovenel Moïse? Jamais. Pour qui ça? À aucun moment, à aucun moment, le Jovenel t'a parlé. Le Jovenel qui a été dans le pouvoir, je pensais que le Jovenel était préparé à toute éventualité. Et je n'avais jamais imaginé un jour que tu as tué le Jovenel, tant qu'on poule, tant qu'on n'importe qui monde, tant qu'on le commun des mortels. Non. Je n'avais jamais imaginé ça. Et je n'avais jamais imaginé tout. On a des 2, 3 mois, 4 mois pour tuer un président pour 2 ou 3 mois. Ça veut dire que les choses. Bah, il était dépassé, mon petit tuyau, et, il s'est attaqué dans la profondeur là, qui fait, pour me gagner 3, 4 mois pour le tuer. Bah, là, j'aime imaginer des mouns qui t'aiment pouvoir ça en Haïti. Surtout, que monsieur passe 3 mois à l'occu, monsieur descend barricade, monsieur passe sous barricade à machine, monsieur, il est venu livrer la cadille, à le parler, retourner. Bah, là, j'aime imaginer que une fois dans une minute, il s'est tapé et mourir, j'en mourir. Quête. Aïe, un petit crasse compliqué. Mais, l'on a regardé gouvernance Jovenel. Par exemple, pendant que j'ai commencé l'émission, moi, passé spot côté que, un ensemble de promesses que Jovenel t'a fait qui pas respecté. Maintenant, qui sont estimés te paraître comme handicap pour président qui fait tout ça l'annoncer yo, malheureusement, pas même guintan réalisé en 2-3 là-dedans yo. Qui sont estimés tes pigou handicap Jovenel Moïse comme étant le président de la République? C'est des choses. C'est mon ancien sénateur, ça parle. Et un ancien proche, un président, qui me dit qu'on a parlé, il a dit, étendu, ça cap. Et même. Ou capable d'accord avec moi, mais ça me doit dire pour moi c'est une réalité. Et je pense que l'opposition haïtienne doit refuser. Et il doit refuser parce qu'un président pas capable de faire 5 mandats, à éviter et tout, à éviter et craser l'idée, à dégrossir
avec plusieurs nègres côté de campagne de radio, mais qui ouais avec Michel Martelly le soir, bien tard, 2h du matin, il n'y a pas besoin de citer. Non, des moun, Non, sénateur, non, vous répétez bah, ça plusieurs fois, même dans l'émission. Ouais, ici, hein? Émission ça les ticos actété. Non, on connaît où c'est auditeur émission. Ah ouais, ici c'est sans filtre de parler, on prend c'est sans filtre. Parce que bon, pour qu'on ça besoin, pour qu'on ça pas inviter dans politique ici, là on suivre ou on pas inviter dans politique dans émission ça. C'est parce que peuple a tellement prend en bluffeur. En pile nèg qui prend pose faire gros gauche derrière micro, alors que ça y a vendre la journée et parler au vendre le soir. Donc soit don parole dit peuple là, parce que bon, pendant que parle voilà, il y a quelques monde que n'a cherché dans pays là. Donc dit peuple là bah la salier, parce que qui ça ou estime que t'es posant handicap pour Jovenel Moïse qui fait pas réaliser toute ça te promettre que le d'a fait. Regardez, nous t'en répondons que nous commençons à répondre que sur ça, mais souvenez-vous de son nom, on va expliquer que je vis encore en Haïti et mes enfants sont en Haïti. Ou pas peur moi j'ai pas Laisse-moi te dire. Pas là avec. L'aime des problèmes avec les robes. L'aime de dénoncer. Hein, et c'est ça que je me fais compte avec Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse, l'aime qu'il dénonce les 12 millions de dollars que a baillé toutes mes familles, même avec le paquet de l'autre, les chantateurs, les chantateurs, ça m'a changé, que a baillé tout comme ça. Et moi j'ai dénoncé Jovenel Moïse de retenir et la game dans le dossier ça et 2 semaines plus tard il partit avec tout le bio aller en France comme nous qui était dans même agent avec lui et c'est lui qui mené les brutal et en France non a fait et chambre de commerce là avec lui et tout le chaos là avec ou d'accord non mais sénateur ou d'accord avec sous base ça non, attendez, oui, pour moi qui dois continuer. Mais ça dit là tellement important, ou d'accord avec tout, Jovenel, c'est ton bluffeur tout. Pendant que vous le combat de corruption, alors que vous d'accord associé avec corrupteur, entre parenthèses. Bon, mais même pour faire expérience, je vous l'ai dit, le président, ou bien pas le président, ou bien la politique, en fait, compte à 80% au son bluffeur. Parce que pour le président, est-ce que ça veut dire, pour le président, pour le sénateur, il faut battre la menti. C'est ce que problème là. Ça veut dire que le sénateur qui doit nous, par exemple, bon député là. C'est un gros bagage ou dit là, oui, sénateur. Vous obligez battre la menti pour venir chef? Non, bien sûr. J'aime bien le fait que le bon député là, Jacques qui écrit, ça va changer. Mais qui ça a changé comme député? Ou pas qu'à changer rien comme député? L'autre dit peuple là, Jacques Mel va changer. Mais c'est pas. Ou pas qu'à changer Jacques Mel, un député pas qu'à changer. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience toi-même. L'homme d'abord, c'est la chose, ça me bat 10 moun, ça me bat pas mettre Jacques Mel en tel côté, ou bien en France. Mais non, il me dit, ça me bat pas essayer de faire, et en fait, c'est très privé comme sénateur de la vie. Nous avons 25 ans, nous avons 25 pour compte, il te faut 16 sénateurs pour réussir ce soit besoin. Si pas un seul sénateur, on ne peut pas faire son père, et puis il y a toujours le côté là. Donc, et bon douke, Jovenel, question posée, hein, c'est que, même, papa dit seulement que bon, Jovenel pas ton bouffeur, mais je préfère dire que Jovenel est ton rêveur. Son est qui t'a rêvé, mais il n'a pas les moyens de sa politique. Son est qui, même, dérive le foudou à un certain moment, parce que le débat, il passe son côté, il dit, bah, ça, il faut que comme là, il passe là, il va être courant, donc, mais tout ça, c'est des rêves que j'ai. Donc, je ne sais pas vivre dans la réalité que le pays est là. Mais pas nous du tout, ou pas quitter erré, pas du tout, que les policiers haïtiennes sont mauvais opposition. D'ailleurs, il n'y a pas une opposition qui gonfle sportif pour le propre pouvoir, mais ils sont opposition pour craser, briser pour le propre pouvoir pour 1 an, pour 2 ans. Ils n'ont pas qu'à faire attention à ça. D'ailleurs, laisse-moi te dire que le regard de la République dominicaine, c'est toujours pas exception. Je vous dis avant de ma parole, l'ancien président a fait campagne pour aller sur 3 ans plus tard. Ça veut dire qu'il a proposé des choses. Par exemple, je suis politique en République dominicaine, parce que c'est voisin, non? Lorsque le gouvernement dominicain déposait un budget dans le Parlement, eh bien, l'opposition.